Daniela Ferrière pral remplacer Hector Biancioti dans l'Académie française. Léopold Berlanger intervenu sous organisation prochain élection yo. Gen yon série mezi ki prend en période fête là pour rendre cause circulation en pile libre dans zone métropolitaine. Yon gros bonsoir tout le monde, nous sous planète Haïti, c'est un plaisir pour moi présenter nous édition nouvelle jeudi 12 décembre 2013 là. Écrivain canadien qui gen origine haïtien, Daniela Ferrière, après élection entre dans l'Académie française jeudi. Li remplace auteur argentin Hector Biancioti. Oui, za petit Antoine et Spenson Jeune. Daniela Ferrière était dans pays d'Haïti, pays côté elle était fait là pour bailler une conférence ensemble avec écrivain Rodney Saint-Éloi et puis directrice fondation Connaissance avec Liberté a Michel Duvivier Pierre-Louis sous chemin connaissance, l'elle prend nouvelle là. C'est confirmé, écrivain Haïti partagé à Canada a occupé fauteuil auteur origine Argentine, Hector Biancioti, qui mourit depuis l'année 2012 qui s'est passé. Yon poste qui gagne un pile prestige pour classe intellectuelle là, à Poudani, lié li nan premier tour élection yo. Eh bien, je me sens un peu de fièvre. Et comme cette académie tourne sans arrêt depuis 1735 à 1635 à peu près, et donc elle est toujours là, donc on imagine que les membres sont les premiers, c'est les mêmes qui restent, puisque tous n'ont qu'un seul but, c'est de défendre la langue française. Écrivain et éditeur Rodney Saint-Éloi, qui lui-même tout fait en Haïti, partagez moment joie ça avec Daniela Ferrière. Et ce matin, je me suis réveillé avec un ami qui est immortel. L'Académie française était très loin dans notre imaginaire. On n'a jamais rêvé, nous autres Haïtiens, que c'était fait pour Haïtiens. C'était interdit. C'était un rêve interdit. Et je dis, si Dani est élu et académicien, on repousse, nous autres Haïtiens, les limites de ce rêve-là. Daniela Ferrière a occupé pour ça jusqu'à ce qu'il mourit. Avant Hector Biancioti, c'est le philosophe et écrivain français Montesquieu et puis Alexandre Dumas fils qui a occupé fauteuil ça. Académie française là, qui c'est une institution qui l'a pour mettre principe dans la langue française là, gen la dan 40 membres. Après publication loi électorale 2013 là dans journal Le Moniteur, en pile l'autre action doit poser pour arriver réaliser prochaine élection sénatoriale et municipale. Mackinson Talleyrand a rencontré Léopold Berlanger, un conseiller électoral pour plus de détails. Dialogue entre partis qui concernent, c'est un point qui est important dans la prochaine étape qui mène nous dans la réalisation de l'élection sénatoriale et municipale. D'après sa conseiller électoral, Léopold Berlanger fait nous connaître. Après publication de la loi électorale, qui jusqu'à aujourd'hui est peu publiée dans le Moniteur, conseiller électoral doit d'abord analyser tout changement qui peut être dans la nouvelle loi électorale qui a été proposé depuis mois juin 2013. Là. Pour une évaluation d'abord de contenu de la loi électorale. Là. Loi électorale a livini avec certains changements qui demandaient réflexion et planification. Tels que le nombre de bureaux de vote qui augmenté dans chaque section communale, ou gagne en plus, donc ça va au moins 570. Gagne un délai pour pipiti entre 5 à 6 mois que le conseil électoral t'est estimé pour organiser l'élection depuis loi électorale la fin publiée. Léopold Berlanger parité quoi même délai ça a pas respecté pour CTCEPA ta organiser l'élection puisque yo pral obligé porter en pile modification dans bureau électoral communal yo. Il y a un centre de tabulation qui sont une opération complexe. Donc maintenant au lieu d'un seul centre de tabulation au sens ça il y a 10 centres de tabulation puisque loi prévoit une dans chaque département. Donc, on gagne d'autres choses probablement dans la loi qui est probablement du travail
Et sans compter que, comme nous dit, donc, certains bagailles qui pour planifier avec acteurs politiques, avec les acteurs étatiques. Plusieurs secteurs étaient déjà proposés pour organiser une seule élection dans le mois octobre 2014. Là. À cause du mandat député et de l'autre dans le Sénat qui a bout dans paraître l'année 2015. Léopold Bélanger, quoi faut gagner une entente qui veut joindre en diverses parties qui concernent eux avant de adopter une décision comme ça. Nous faisons partie d'une institution qui a même un rôle d'arbitre dans l'organisation élection. Ce n'est pas l'arbitre là qui peut décider qui l'est et combien d'élections pour faire. Ça, c'est la loi, c'est les acteurs politiques qui eux-mêmes, d'après, disons, ça qui établit son base, soit légale, constitutionnelle, ou bien dans le cadre d'un consensus ou accord entre eux, qui est capable de déterminer ça. N'a fait remarquer, c'était CEPA a déjà publié un avant-calendrier électoral qui a bien pu modifier. Direction circulation ak police routière pran yon seri mezi kont gros camion transport yo nan peyi a. Yo interdit gros camion sa yo livre marchandise la journée pendant période fin d'année a. Louvenson Saint-Just. Zafè circulation nan capital Port-au-Prince lan ak kek gran vil nan province yo, se yon calvaire moun ap monte pa do malgré quantité mezi autorité circulation yo pran. Ça pas empêché phénomène blocus la, croisé pied bien vague dans fouiller différents passagers qui voyager n'importe comment. Pour fin d'année, autorité circulation yo conscient des difficultés a, yo décidé mettre en patte là. Sorti 15 décembre pour arriver 1er janvier 2014, direction circulation interdit tout gros camion qui transporte marchandises yo circuler la journée parce que t'assemble gros camion ça yo c'est source embouteillage dans ville yo. Direction circulation mandé tout monde mettre main pour travailler la marché. Mais c'est tout monde qui concerné dans affaire. Parce que y a commencé exécuter note là dimanche 15 décembre qu'a venir là. Haïti a participé dans 24e édition Prix Corbet de la Caraïbe et du tout monde l'an qu'a fait sauti 16 pour arriver 19 décembre dans Martinique. Marie-Asmi Desilas avec James Pierre. Événement littéraire ça qu'a déroulé sauti 16 pour arriver 19 décembre là après uni écrivain qui plus célèbre dans Caraïbe là. Parmi 11 auteurs qui dans liste pour participer yo, a bien 7 haïtiens: Lionel Trouillot, Yannick Lahens, Louis-Philippe d'Alembert, Ketli Mars, Michel Souka, Rodney Saint-Éloi et puis James Noël. 24e édition Prix Carbet de la Caraïbe et du tout monde là a fait nan mémoire Alain Plenel, qui c'est un écrivain français qui mouri mois passé a. Il était lauréat dans même concours dans l'année 2009. Y a remettre prix à mercredi 18 décembre là dans siège conseil régional dans Martinique. Lauréat après ses voyons chèque 5000 euros avec un trophée. Jodia, pays Kenya fête 50e anniversaire indépendance li. Yon cérémonie te organisé sous place Uhuru Gardens lan nan capitale la. Diane Bisret ak James Pierre. Préparation te commencé depuis nan matin nan pays ya. La Rio te décoré pour événement. Pays Kenya te pren indépendance li 12 décembre 1963 après plusieurs années. Yo te passé à Goma. Président Kenya Uhuru Kenyatta te vin nan stade Kasarani nan Nairobi ki se capitale Kenya pour fêter 50e anniversaire indépendance pays ya. Yo te monté drapeau pays ya sous place Uhuru Gardens lan, même côté li te monté premier jour indépendance lan nan l'année 1963. Yon fête te organisé dans capitale pays ya, moun tap chante et puis danser. En pile feu d'artifice te lancé pour occasion. Yon gros fè yo servi nan construction tombe sou yon maquette nan ville Badenbourg nan pays Allemagne. Pou pipiti yon moun mouri ak 5 lòt blessé. Diane Bisret ak Mackinson Talleyrand. Plusieurs pompiers te sou place pou vin sauver moun ki victime yo après bout de fè a te fin tombe sou do maquette Aldi a nan ville Badenbourg nan pays Allemagne. Bout de fè a te tombe côté question ye a. Gen yon moun ki mouri et puis gen plusieurs lòt ki blessé. Parmi blessé yo gen de ki nan yon état grave. Yo pa konnen raison ki la cause accident. D'après ça la police fait konnen, pompiers yo pa ka entrer pour inspecter tout local là parce que yo te pè pour do maquette la pa tombe. Moun ki te sou appareil ki t'a porté bout de fè yo fait partie moun ki blessé grave yo. Hier, yon organisation caritative nan pays Israël pa dvle Nina Tamano Chata, yon député ki gen koule noir bay sans comme don. Diane Bisret ak James Pierre. Majin David Adom, yon organisation Croix-Rouge dans pays Israël,
pas d'accord pour député Israël qui gen couleur noire Pnina Tamano Chata bay san li nan yon don pou san yo tap fe. D'après yon nan responsable organisation, li di se l'autre ministre la santé nan peyi a pou yo pa aksepte san moun juif ki gen origine éthiopienne yo paske san yo kabay moun maladi. Député a ki pat kontan sa responsable la di a, di li bon pou le servi peyi a mais li pa bon pou bay san li. Après scandale nouvel sa fe nan peyi Israël, responsable Majin David Adom yo tourne sou décision yo. Yo di ap aksepte pran san député a, mais ap mete l nan frigide, yo pa itilize l. Nan rubrik bilan ane a, nan presevwa jodi a Nathalie Pierre-Louis Laroche, ki se président Chambre commerce Haïtiano-Canadien, epi tout li se PDG DASH, yon association kap travay nan zafè la santé nan peyi d'Haïti. An suiv. Année 2013, l'homme qu'a dit son année qui est très productif, que nous travaillons en pile. Et au niveau de la Chambre de commerce et d'industrie haïtiano-canadienne, nous avons gagné en pile aspect pour nous dynamiser. M'a dit l'Europe passée et en tant que présidente, l'Europe passée derrière des grands mouns, des grands nègres, tant que monsieur ambassadeur Franz Lotto qui a représenté Haïti au Canada, l'Europe passée derrière tant qu'on monsieur Hervé Denis qui sont ancien ambassadeur, qui c'est ancien président de Grande Chambre, non, et on passé derrière monsieur Tipinawa et qui était aussi ancien ambassadeur, qui sont des membres fondateurs, qui sont des grands piliers, m'a dit au niveau secteur privé. Et ainsi que M. Gérard Marie Tardieu et de Copivite, c'est m'a dit Chayla Lou, mais des filles tout à fait intéressant. Et nous t'ai pendant l'année 2013 là pour nous dynamiser m'a dit chambre par rapport à public nous et par rapport à membres nous. Donc nous t'ai metté en place plusieurs activités tant que des déjeuners causeries, des séances de discussion, des journaux et un journal interne qui te permettent que membres yo te senti beaucoup plus impliqués au niveau de association. Et m'a dit nous t'ai dynamisé tout par rapport au grand public en général. Au grand public parce que très vite m'a dit et de par activité que nous t'ai organisé et Chambre de commerce et d'industrie haïtiano-canadienne nan te vin coller en superbe étiquette que moi très fier que nous t'ai vin coller l'année ça. C'est étiquette côté que Chambre de commerce et d'industrie haïtiano-canadienne nan identifié comme étant une association responsable. Qui ça dachier et gan pile moun qui probablement connaît dache au niveau de Port-au-Prince et du Cap Haïtien, c'est développement des activités de santé en Haïti. Techniquement, 2013, m'ka dit c'est tout un défi parce que dache recevoit près de 5000 patients par mois, nous fait plus de 8000 examens de laboratoire en moyenne par mois, c'est près de 400 urgences aussi et au niveau de toute structure yo, avec des hôpitaux qui fonctionnent 24 heures sur 24 avec médecins sur place. Donc c'est un superbe défi de faire fonctionner une telle structure. Nous avons près de 500 collaborateurs de différents pluridisciplinaires. Et pour ça, nous avons 8 points de service dans la zone métropolitaine Port-au-Prince et 3 hôpitaux à Port-au-Prince,
et un point de service que nous l'ouvrons en fin année 2012 là, et que nous avons plaisir pour nous faire grandir en 2013, qui c'est l'hôpital Christ du Nord au Cap-Haïtien. En ce qui concerne les pays noirs, et bien sûr, nous avons une belle année côté que nous sommes relativement stable et nous avons développé et nous avons travaillé pour le secteur des affaires. Et nous avons une belle réalisation tout au niveau secteur privé et secteur public qui s'est mise en place CAOS, qui est le Conseil d'administration des organes de sécurité sociale. Et CAOS, ça, c'est un dossier que le secteur privé a demandé depuis un certain temps et qui finalement qui aboutit pour nous permettre de gagner plus de transparence et plus de services, tout relié au paiement de certaines taxes. Et donc, nous allons poursuivre le dossier SAIO en 2014, nous avons surveillé CAOS là, et nous mettons attention particulière sur l'importance de Kembe en stabilité politique, économique, sociale, pour nous vraiment marcher vers le développement durable. Et il est très important que nous rappelions, nous, et que quel que soit l'horizon que nous sortions, quel que soit le métier que nous occupions, il est très important que nous maintenions une vision commune et de stabilité ça pour nous travailler, pour que le pays finalement qu'à développer. Zanmi telespektatè, nou pral pran yon denye poz. Tout suite apre, Berman ge ap pote pou nou aktualite sportif yo. Epi nou pral gade meteo pou demen vendredi ya. Rete branche. Merci Chnedine, bonsoir tout le monde. Stevenson Adonis, champion du monde 1000 WBC d'origine haïtienne dans le pays depuis matin pour une visite deux jours sous invitation du ministère jeunesse pour l'action civique. Adonis fait Kafou et il a vive Québec depuis le gain 5 l'année. Ligue en palmarès de 22 victoires sous 23 combats qu'il fait et puis 19 KO. Adonis était champion Québec à Canada avant de remporter médaille argent Jeu Common Refio entre 2004 et 2006. 8 juin qui sont passés là, il prend ceinture, Miloulan nommé Chad Darson, il mettait KO en 76 secondes. Il déjà mettait ça en jeu deux fois contre Travis Cloud en septembre et face à Tony Bellew mois dernier. Ministère Jeunesse pour l'Action Civique organiser visite ça yon façon pour féliciter pour performance li et puis remercier Sylvain Adonis parce qu'elle monte bien haut drapeau noir et puis fait fierté tout haïtien li gontinan Superman. L'autre bord de face groupe UEFA Champions League 2013 a fini ailleurs. Nous connaissons 16 qualifiés pour 8e de finale yo. Surprise 6e à dernière journée c'est élimination Juventus de Turin et puis Barcelone bimé yon équipe Celtic démobilisé, démotivé ak 3 gols Neymar. Mais équipe qui qualifié yo. Équipe qui premier yo dans groupe yo c'est Manchester United, Real Madrid, Paris Saint-Germain, Bayern Munich, Chelsea, Borussia Dortmund, Atlético de Madrid, FC Barcelone. Équipe qui deuxième dans groupe yo, Bayer Leverkusen qui c'est un club allemand, Galatasaray, Olympiakos, Manchester City, FC Schalke 04, Arsenal, Zenit Saint-Pétersbourg, ensemble avec Milan AC. Toujours dans le football, Sandro Rosell, président FC Barcelone, fait qu'on est li impossible pour Messi quitter le club catalan. Monsieur Rosell précisé, tant que le président équipe, l'a fait tout ça qui est possible et même impossible pour Messi pas quitter FC Barcelone. Pendant qu'il n'a pas appelé, il a revalorisé contre lui, eh bien, il a plaidé dit, il n'est pas pour vendre. Messi, d'après l'autre, te prolongé contrat avec Barcelone, ça a 6 mois, jour 2018, avec une clause 250 millions d'euros. Dans NBA, hier soir, OKC a battu Memphis 116-100 avec 27 points, 9 passes décisives de Westbrook. Orlando a imposé le tour sous Charlotte 92-83. Boston tombé sous parquet LIA devant LA Clippers 88-96. Belle victoire San Antonio, Lakai Milwaukee 109-77. Minnesota gagne Philadelphie 106-99. New Orleans Detroit en finit 111-106 après overtime. Avec un double-double de Carmelo Anthony, 30 points 10 rebonds. New York bat Chicago 83-78. Utah domine Sacramento, Lakai Lee 122-101. Match à 2 points en faveur Golden State sous Dallas
95-93. C'est la mettre en bout à Rubik Sport, Journal Planète Haïtien. Merci en pile pour attention. Solit nou pou aswe a, pendant cérémonie pou te bay Nelson Mandela hommage la ki te fait mardi passé a, te gen yon interprète ki tap traduit pou moun ki soud ak sa ki patande bien yo. An al gade. Plizye chef d'état te participé nan cérémonie sa ki te fait nan Stade National Soweto a, nan peyi Afrique du Sud. Yon interprète te la pou te ka traduit pou moun ki bebe ak moun ki patande yo. D'après yon interprète officiel nan Fédération Moun Ki Soud nan Afrique du Sud, interprète la pa konn langaj la. Li seulement tap fè jès et puis bouje men. Li pa konn aucun règle grammatical. Pa gen yon nan jès li yo ki te gen sens. Moun Ki Soud yo pa te konprann rien. Tamsan Kajanji gen 34 l'ane. Li prezante excuse li. Li di se yon maladi mental li soufri ki la koz li pose aksyon sa. Li deklare li te eseye kontrole tèt li pou moun pa trouwe sa k tap pase la. You know, I was in a very difficult position. Se pa premye fwa sa arrive interprète la. Ane pase, sa te rive l pendant l tap interprete pou prezident Afrique du Sud la, Jacob Zuma. Merci ou même qui t'a regardé édition journal ça. Prochain rendez-vous nous c'est pour demain soir 8h. Restez branchés Planète Haïti. Au revoir tout le monde.